Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Kunanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Kunanga, soyez les bienvenus. À la une, libération des otages. Boyoka oyo alobi bandeko sur Lubanga et Katanga. Boyebi ke bango toujours baza en otage mais ba libérer professeur. Siko boyoka makam professeur alobi pona Lubanga na Katanga. Ezaya koyinda bandeko nanga. Alors tous à la connecter, tout vous développons ensemble. Deuxième point chez les téléspectateurs. Détournement bandeko à l'enseignement primaire et secondaire. Boyebi Mikolo et Yinaki entre Tony Mwaba et Alingete. Et maintenant, la société Oyaba Tricot est portée plainte dans la justice. Et puis de l'autre côté, DG, il y a Transco PAI à l'objet vérité. Si vous bande Konanga, Ezaya Kouyinda de mission, Tokoyoka, tous les deux côtés, alors tous à la connecte. Troisième point chez les téléspectateurs. Tête à tête, président de la République Tshisekedi et Kagame. Bande qu'on rencontre au niveau à Jordanie, Bango Mibale, devant roi Abdallah. Na, président Moussoupe Baza, président à Mozambique. Alors, bande qu'on a tous à la connecter, peut-être qu'on développe ensemble. Alors, chers téléspectateurs, émission de M. Bandi et commettant auto sur la Masolo Yamouk. Bande Konangaï, émission à l'élo, va porter aux anangodong, au balubaki, si, donc déjà la première fois. Affaire ya otage, bandeko, kodeko, azako insisté, na oyoye a sengaki. Et pour le moment, ba négociations ont continué. Kodeko a libéré kaka mutumoko. Sur les 8 otages, a libéré professeur. Ndenge makambo ezo kende bandeko, situation za mobulu. Alors, boye msa bandeko nyosu tango eko, kitome ako débattre point oyu. Parce que ça chauffe déjà. Un de 8 membres d'une délégation congolaise, otage depuis plus d'un mois, en Ituri, nord-est de la RDC. D'un groupe armé avec lequel ils étaient venus négocier a été libéré lundi, a-t-on appris des sources concordantes. Le professeur Jean-Baptiste Tchétchouvi, parmi les accompagnateurs des 3 ex-chefs de guerre et 2 colonels, a été libéré après 35 jours de captivité. Boyebi depuis Bakangaka Bango depuis le 16 février, Boutalakaka 35 jours. Ba libéré professeur Oyo. So boyo ki makam professeur Aloubi, bande ko baza na situation moko difficile. Ba sengi na gouvernement ba sa le for ba négociation Oyo. Ba tika toma Lubanga na Katanga po baza na condition moko difficile. Bande ko, peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Bango Mibale, Bazaki ba seigneur de guerre, Bakendati na CPI, donc, oso comprendre, mais, Bayako zonga dans la société, Fatia Ponaki bango na task force, mais ta la situation denge komi. Le professeur Jean-Baptiste Tchouvi, parmi les accompagnateurs des 3 ex-chefs de guerre et 2 colonels, ont été libérés après 35 jours de captivité. Donc, ils ont ça la passe. Donc, ba libéré Kakayi a annoncé un communiqué, Pichu Mbondina Iribi, porte-parole de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction. Nous venons de montrer notre bonne volonté en libérant, indique sur son compte Twitter, un des chefs du groupe armé Kodeko pour le développement du Congo. Bassa Zubta Girso, il ajoute que cette libération est intermédiaire avec un premier geste
fait par le gouvernement qui, dit-il, a libéré quelques-uns parmi les nôtres, les civils innocents assimilés aux éléments Kodeko. Bandeko ezapasi. Bango batiki kaka professeur oyu. Ezapasi parce que bango bazaki witi. Alors que na ba prisonnier ba misère kutu ba prisonnier na bango ebeli. Do bata Kodeko yo bazana makambu oyo bazoluka. Ba condition na bango zo sala mawatu toujours bate soto kene wapi na dossier oyo. L'état a okoma na point que mayele pe kusuka parce que professeur a lobi ke bango kuna pe ba condition de vie za mobulu. La délégation qui comprend notamment les anciens des chefs de guerre Thomas Lubanga et Germain Katanga, jadis condamnés par la Cour pénale internationale, et Floribert Ndjamou avait été missionné pour le président Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu et la démobilisation des miliciens en Éthiopie, province en proie de violence considérée par les Nations Unies comme des crimes contre l'humanité. Makambu oyoko de Kobaza Osala, ils appellent un crime total. Bazaya kubuma batu na ba kan. Place batu ba kimbitumba ba mba landi ba mba ki ubuma batu. Donc, ezo salamawa na makamba groupe armé ouyo. Notre pays eza na situation moko difficile bande konangay. Alo, Toyoka, ndenge makamba ngwe leka ki kuna, ndenge ba libere professeur, oyo professeur a lobi, pona bande ko ba tikali, bon to continue mission na biso. Solo mazali kokuba kati na bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratika na bakodeko lingomba ya basimba minduki puna kusikula batindami ya task force basusu lobloleki kodeko etikaki moko na batindami mwambwe baye bakangama reportage na Bunya Uto Bunya na Christina Bedito. Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, Lyoko Lisanga Yabatombo Kikoteko, Coopération pour le développement du Congo, Etiki professeur Jean-Baptiste Dechuvi, Moko Yabaeba Kangamaki, Elongo Moko Namokonzi, Task Force Thomas Lubanga, Lobi Loleki, Mikolo Tukumisak, Namitano, Wuta Bakangaki, Batinda Mibaye, Bambula Matari, Namisala Yakuluka Kimia, Planda Malobaya Molobeli, Task Force, Mwanamboka Pichu Iribi, Thomas Lubanga na basusu bazali nzoto kolongo note esengeli na bakoteko batika bango po ete bakonzi ya ekolo Congo Démocratique bayoki makanisi mabango pe babandiko yanula Task Force auti solo kuya le 21 mars 2022 mukangami moko na kati ya baotage o bakangamaki na kodeko ezali professeur ya université de Tshuvi afungwamaki kuna makambo etali bokolongono nzoto na ye donc sate na ye ezali eloko oyo euti na bosangani ya masolo kati ya baike bandeko oyo bazali na kati ya Ituri na elongo ya Congo mobimba yango task force atondi botondi na bandeko nyonso baebatiaki maboko pe makanisi na bango po ete ndeko wana akoka kobima nsima ya koleka sanza moko pe ndambo ya bokangami na esika ya mabe na pasi ya bandeko task force akanisi ete kotika lelo moto moko na kati ya mwambe ezali malamu te esengelaki ndenge bazali komona pasi esika wana bango nyonso bakoka kobima mpo ete guvernement na biso esilaki kokoba na masolo na bandeko ya kodeko pe na kati na masolo wana bapozaki deja bageste oyo ezali concret yango tozalaki kosenga na kodeko ke kokoba kotika bandeko ye na kati na pasi ezali konyokola bango pamba mpo ete bazali banguna te ayaki nde mosala ya koluka kimia ezonga na kati na mboka ya Ituri en plus bazali mpe bandeko na bango yango tozali kosenga na bato na kodeko bafungola motema na mawa batika bandeko bazonga na kati na mabota na bango mpe bakoba na mosala ya koluka kimia kasi tozali na elikya ete mokolo ezali koya bandeko basusu bakobima tozali
côté Elika Katina promesse au bandeko akodeko ba pesibisho ndenge te balobi bandeko bakobima progressivement babima kasi eumela les sociétés ba y société civile na Ituri bandimi sango ya botika mia Jean-Baptiste de Chuvi kasi basengete atalisama na minganga na l'hôpitalo toyo kamukambi ya société civile ya Ituri Jenerel Dieudonné Losa olinge koyebisa pe ete kotika ye elandani pe na condition ya santé na ye oye sengi azwa akende kozwa ma traitement médico spécial pona ba Ituri esengeli bolingo bozala na mitema ya batomboki po litomba moko ezali te na bobomi batu ya malamu bakoteko batika toma lubanga na baninga basusu pe leta eyanola makanisi na bango po kimia ezonga elobi baike na bavandi basengi basoda bazongisa kimia na makasi utabunya. Alo, bande konanga to la dibiso nyoso. Wana task force. Oba osala ba negociation, ba pesi message. Ete kobimisa mutu moko na batu witi. Eza pasi mi. Bande kon la situation komi très compliqué. Kode kwa zo compliqué kaka situation na ndenge ya mukiti. Pona bango bazo mona ke, ba libere mutu moko. Alors que baza witi. Alors, il insiste bazo lobabu. Les miliciens Kodeko ont depuis fait connaître leurs revendications pour libérer, à savoir libération des prisonniers Kodeko et des membres de la communauté Lendu, arrêtés arbitrairement, la cessation des opérations militaires, la levée de l'état de siège. Bango ba sengi boui. Ba libere ba ta ya communauté Lendu. Ba tika ba opération conjointe wana. Oyo ba zo sala. Na ba Ougande. Dans les opérations militaires. Et puis troisièmement. Oya souka. Ba lobby. Que levée de l'état de siège. Tala, bata kode koyo bande konangaya. Bazo lo baki. Ba libere. Batu na bango. Un. Deux. Ba tika bo opération militaire nyon son akiv. Trois. Leve de l'état de siège. Gala zo comprende batu ote. Na zo ye bate oyo bango bazo luka. Bande ko situation est grave. Ce qui te ôte la macambo, tu zo mona ke non. Situation zo kene pena mubulu. Bokangi bango. Bande konanga. Tola na trebi. Pas situation oye. E sa la pena don oyo kaka mubulu. Hein? Ba état de siège va tika yango. Po ba tika. Toma lubanga na katanga, il faut état de siège ba longola yango et puis coopération conjointe ba sana ba Ougande pe zalati. Non, wana ba koko accepte yango te. C'est impossible. Bozo senga oyo kaka le impossible obino bozo senga. Alo, yango to olo ba ke situation comme obulu bande konanga. Pour oyo baba zo senga c'est impossible pour na gouvernement ko sede. Bandeko bas oyo za ba signe que état de siège opération militaire zo sa mala ki vezo sala. Oyo za ba preuve. Bazo katonga nango. Ba kumolo ba kibo kangi batu. État de siège est si là. Ah. Si ko to comprendre bino. Yango batu bazaye ko boya état de siège. Opération conjointe batu bazaye ko boya yango bande kutoebisa kibino. Tala ba rebel bango moko na kata zamba. O biso pena tu sengi batika état de siège. Poto libere toma lubanga na kata. Hey. Ba condition wazo pesa. Je ne comprends rien. Alors. Bandeko, situation zo koma empe mubulu. Task force pe ma yele baniko sila bango. Les négociations continuent. Mais bango ba zo kanga mana pwe moko.
y a opération militaire au Nord Kivu, il y a état de siège et ça a le chute. Donc ce qui est au table, c'est un complot bien organisé dans le bateau basé à la contre état de siège. Yango botique état de siège continue, zo sala, où est-ce que ma preuve? Batu bino bokangi, basa batu pe bazaki na zamba, bazaki ba ex-rebel. Bokoyo ke la bango mawate. Donc, situation est à mon boulot. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Parce que ce qu'on tali, ma condition pour ma pessi est impossible. Si on est au monde à coma, mon cannabis, tout ça toujours n'a pas de problème. Mon cannabis, pour que les bosses ne font pas de cambo ici, là, pour ventir aux nions. Oyo, batu bazo sala. Ezo pesa pende singoti. Ezo pesa dignité de notre beau pays. Pour ma cambo, oyo, ezo sala bande konangai. Et ça, très, toujours mon amour, mawa mingi. Alors. Libération des otages, bango, neto lumia boyoka, oyo bamba le pona le banga katanga eti, avant batika bango, opération militaire zati, et puis état de siège zati. La situation est comme très compliquée. Alors, bande konanga, tout la nibiso nyonso, tout tika ngona bino, de comment qu'on est sur le deuxième point. Alors, chers téléspectateurs, dossier où il y a détournement, il y a 400 000 dollars, il y a enseignement primaire et secondaire, et au côté de la Mouboulou. Maintenant, plainte contre le cabinet Anthony Mouaba. Beaucoup de gens qui disent que le cabinet est respecté. Beaucoup de gens qui transco. Donc, situation pénale à Mouboulou. Alors, détournement de fonds du tournoi interscolaire, une société porte plainte contre le cabinet de Tony Mwaba pour falsification des factures. Bango ba moni ba preuve, ba sali plainte na bango, ba pesa on a justice. Entre temps, alingeta sa pesa kei. Bande koto evisa ki bino, kena ndenge makambo ezo kende, nga na za confiance alingeti. Alingeta osala ba acharnement ya nini? Bande otoko yoka le dekote. Enseignement primaire et secondaire, ba yebi. Ou bien, Tony Mwaba yemo kwa zo yebati. Na réunion na batu na ye, comptable, directeur à cabinet na ye, don mawato. Siko situation est comme na niveau moko mobulu. Donc, pour le moment, Makambu est ce qu'est la justice déjà. Bon comprendre que maintenant, société wana, ba pese bango facture, bango ba falsifier facture wana fois 10. Mais nga, bande kona so comprendre te. Comment falsification de facture ya, ba eloko pana mo sombi combien, me bo kei, boke bo falsifié yam. Et puis bozo ya pe ko contredire na la presse. Je ne sais pas ce qui est un problème dans l'enseignement primaire et secondaire. Bakonga bakambu kakabui. Makaba gratuité pa bakonga kakabui. Oyo za développement ya ba jeune na sport. Bana na be école bazo ki ko bete ba chez interscolaire. Parce que RDC n'a organisé ni ni moi. Mais gouvernement de M. Belam Bongo, 400 000 dollars. Tabande ko ebi eba somo ebi mana RDC. Hermoso na taliba tuyo, bazo sakapena na mbongo alita. Parce que mene ba preve bimi. Avançons. Les choses tournent au vinaigre pour les collaborateurs du ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique éclaboussés par une facture de détournement présumé des fonds publics alloués à l'organisation du tournoi interscolaire panafricain. Ça reste à savoir
Est-ce que Tony Mwaba a yebi makambo oyo? Parce que cabinet ne motoba salinyo ce directeur à cabinet oyo. Tawazo loba. C'est au nom de Tony Mwaba. Donc son directeur à cabinet ekoloba dira kabwa bozomona edi mwanzo. C'est-à-dire Tony Mwaba yebi masolo. Ezaya kuyina. Alors que bande konanga les collaborateurs ont affirmé avec en devant les inspecteurs venus pour le contrôler des fonds destinés à ce tournoi que les t-shirts pour la visibilité du tournoi ont été imprimés par Gradico, un imprimeur basé à Kinshasa. Moyennant paiement, la dite société ne reconnaît avoir été contactée par cette fin. Oh. Société Oyo Bamba Tangi et pas ya IGF Balobi ke Gradico Mutuba Saraki Bilokoana. Et maintenant, Société Oyo Gradico Balobi Bazaki jamais contacté. Somona. Parce que Bango Balobi était Bango Mutubasalaki. Et la dite société ne reconnaît avoir été contactée pour cette fin. Citation Samoubulu pour la Bango. Il y a une société qui va porter Bango plainte pour la falsification des factures. Ou bien Bazana la facture à la société Oyo. Bango va bambi va montant. Donc, citation Samoubulu. Moyen à paiement, donc ils a passé. Alors, la société Bandeko, Mena Gradico, va porter Bango Siko plainte. Bandeko, na directeur Edi Mwanzo, Obozo Monawana, les conseillers ainsi que les comptables et tout membre du cabinet de l'enseignement primaire et secondaire pour faux commis en écriture et son usage. Botalanan ba réussi à l'okuta. Bo bambi ba grand montant fois 10. Soko alingeta lobi, yo alingeta lobi. Moso mona bade. Ko djwa ba facture à l'okuta. Ba montant l'okuta. Mena zo mona ba tout ba, ba okene makala. Pande koto el sa ibino te alingeti soko alobi. Eza verite. Alingeti akoya kukose la bango makambuti. Ano. To yuka nano. Ye edi mwanzo waza diretera kabina Tony Mwaba. Bongo apreto kuleka na oya transko. Parce que oh, nan to lubika ba triko. Triko va porter plainte. Pour un usage de fou. Et maintenant, avant to kendi, na dossier à transco, to yo kanano extrait oyu. Bon, to continue mission la mission. Affaire détournement présumé de $400,000 au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le cabinet du ministre Tony Mwaba appelle la justice à se saisir de ce dossier pour que toute la vérité soit rétablie. C'est ce qu'a déclaré hier son conseiller en communication. Joël Kadenanga ajoute qu'il s'agit de l'acharnement de l'inspecteur général des finances contre le ministre Tony Mwaba. Il est au micro de Paul Matendo. Les $400,000 remis à l'EPC ont été destinés à la mobilisation des enfants, leur nourriture, leur transport, leur offrir les sucres à boire, la restauration, les t-shirts, les képis et autres. Il s'agit d'une communication politique et non d'un rapport remis aux instances judiciaires. Au stade actuel, nous attendons que la justice convoque ceux qui sont concernés dans l'affaire. Et c'est la justice qui doit établir la vérité. Parce que l'IGF parle de détournement de $400,000, mais ne vous a jamais dit combien d'argent a été détourné.
Et vous savez que l'IGF se sert de ses services publics pour régler les comptes à ses adversaires politiques. Et je suis prêt à conclure qu'il s'agit là d'un acharnement. Bande koto landi biso nyonso wana. Communication ya cabinet ya Tony Mwamba. Acharnement politique et tout ça. Et ça tient batu na confusion. Batu bande comme ça média ba kené ki tina transco. Batu belé ba ke partout ko vérifier. Makamba lingeta lubaki eza ya solo. Transco a lobi peke yepe eza ya solo. Le cabinet de l'enseignement primaire et secondaire et technique entre le marteau et l'enclume. Dans la même journée, les collaborateurs de Tony Mwamba ont également été contredits par la société de transport Transco. Quand au fond déboursé pour la location de bus, dans leur mise au point, ils ont indiqué que c'est 60 000 $ qui ont été débloqués et non 120 000 $, contrairement à ce qu'a dit l'IGF. Et de l'autre côté, seulement le directeur général intérimaire de Transco signe et persiste que la société n'a perçu que 16 000 $ de la part de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Pas de 120 $. Comme a indiqué l'IGF, encore au moins 60 000 $ repris par les démentis aux allégations. Bandeko, situation est en boulot. Pense que Transco le badji n'est qu'à 16 000 $. Wana n'a pas frais à retard, 14 000 allocations, n'a pas frais à retard, tout ça, 1 800 salinetti, 16 000. Alors, Sikoyo, Bango, Yébi CGF qui est à 120 000. Ce qui est au tala à Bilokoyo, toujours comprendre. Ma kamu toi lingete à l'obaki, DGO à l'obé. Bele boyoka qui a un réseau social, boba yoka qui te tire la bine sous ce yango. To comprendre. Et loko ni zo le kanasema, primaire et secondaire. Est-ce que Tony moi ba yebi ma kamu yo bien yebiti? Tant que Diraka va lobby qui va porter plainte contre directeur à cabinet naïe, va porter plainte contre équipe naïe au bazar naïe, cabinet ne mobile, la justice. Voilà une maison va t-shirt de porter plainte. Transco aïe à l'obité, t'as là, y a le qui coûte comme mon Facebook. C'est quoi? Bon, mon thème, comme tu l'as dit, que Tony moi, bazar a problème parce que Alingeta a coco salanini. Ton landi va ta cabinet, Tony moi, bon acharnement politique. Mais, bon, y'a qu'au prophète, batou yo, n'a joué bati. Mbongo et Zambongo va congolais. O bazo souffrir. Mbongo a trésor public. O et Zakil le roi anti au yibium. Non. Bozon Zambongo. Bossenga nanu 104 000 $ wana oba koseli Transco. Parce que ce n'est pas possible. Alors, Toyoka Transco, bon, to continue mission na biso. Ça fait enseignement primaire et secondaire dollars américains, 14 000 locations, 40 bus pour une demi-journée samedi. Dimanche, 15 h, destination navette dans la ville, location 30 bus standard pour demi-journée dimanche, 10 h, destination navette dans la ville. Ok, en tout cas, en fait, le nombre de bus pour eux, c'est le montant que j'ai dit à l'IGF, c'est tout ce que j'ai dit. Vous n'avez jamais été payé 120 000 $ par le PS. En tout cas, mes écritures ne m'ont pas renseigné comme tel. Le ministère de l'EPSD m'ont renseigné que vous avez perçu 120 000 $. En tout cas, je ne saurais me mettre en juge ou même m'improviser juge de ce qu'un ministre dit. Je ne suis qu'un DG à l'intérim, n'est-ce pas? Dans ce qu'un ministre dit, moi je ne peux pas le juger. Je ne peux pas m'affronter à ses dires.
moi, je ne réponds qu'à l'IGF sur ce que je fais. Et c'est la réponse que je vous ai donnée. Ça veut dire ce que l'IGF a dit dans les médias, que vous lui aurez dit que l'EPC ne vous a payé que 16 000 dollars et des fois. Mon accusé de réception est là, j'ai écrit avec le détail à l'IGF ce que j'ai reçu. Ok? Donc ce que j'ai reçu, je dis à l'IGF, les répliques qui sont lancées, je dis à l'IGF. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolani Bissonnyonso, DG à Transco. A lobi kaya joye kaka 16 000 dollars. Bongo 104 000 ezawapi. Mais c'est Tony Mwaba. Biro na onde bovana mesa wana. Ba lobi pa mbongo eza. Donc, situation est comme de plus en plus mon boulot pour la banque. Bazana des dossiers et kangi bango na kingo. Ya ba triko na ya ba bus. Ya ba bus neza monta munene. Je ne sais pas comment ndenge nini bango ba luka ko défendre makambo oyo. Directeur à Transco a dit clairement que selon le directeur général intérimaire de Transco, il persiste que la société n'a perçu que 16 000 dollars de la part de l'IPST, de l'enseignement primaire et secondaire. Pas 120 000 dollars, comme a indiqué l'IGF, encore au moins 60 000 dollars repris dans son démenti aux allégations de l'IGF. Batu enseignement primaire et secondaire, bazomo na clairement bazana foti. Bazong sambo. Pourquoi tu zolo babon? Ba démentir que, de toute façon, ils a 120 000 dollars, te, ils a 60 000 dollars. Déjà, Transco lobby, ils a ni 120 000, ni 60 000, ils a 16 000. C'est quoi? Ce qui bango le sus DG ou peut bien gagner la justice. Alors là, ça va yango. Bozo mon que Tony moi ba un problème. Ce qui Tony moi ba yebi na été, ça va. Wana dira cap ba comptable ba onion so baza concerné ba aucun de prison. Passe plainte ba porter contre le directeur du cabinet. Et du moins contre les conseillers, les comptables et tout membre du cabinet. Oh, bah, ça, là, qui usage de fou. Bon, comment il y a un niveau, il y a que ça, là, bah, usage de fou. Capo, bon, détourner mbon. Bah, tricot, yaban. Et si, bah, tricot, ni na kinshasa, bah, ko ça, là, bah, priwana. Non. Ça fait mal. Si tu as su à mon boulot, comment on a comment bon on a bu ça et de ce qu'il y a à Kakabou. État de droit. Boussa et la bu ça, Bokanga Batou. Justice, Boussa la lente. Parce que si tu as su à Bimina Maboko, on a mis sur le peuple, Sikoy. Peuple congolais, des gens de Bazoyo, que mission Bazana Kanda, parce que tout a été détourné. Jusqu'à ce que, faux et en écriture, usage de faux. Alors, société Oyo, Gradeco, Balobike, ils ont imprimé tout ça, moyen à paiement, et la dite société ne reconnaît avoir été contactée par cette fin. Oh, tout le monde va saler ça à trapotage. Hein? Qu'on job à facture, qu'on change tout ça. Maintenant, et ça va. Bah, montant à tout fois 10, société en première balou va y habiter. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Société quoi? C'est tombouki. Cradeco baye ko pote si ko plainte. Et de l'autre côté,
déjà transco à l'équina sur les réseaux sociaux. Oh, déjà, il transco à l'obi et ça déjà dans mon boulot pour la banque. Tu y es pe ko suke la banque, te bande ko tala. Ndenge mboke komia, me bango mo ba gango ba yiba ka ba komi ko banga. Na ko banda nde nini, pe na ko suke la ngonde nini. Alingete soka lobi li kamuton di mai. Si ko zo mo ate kan lingete to a lobi a sa raison. A reporté ou exactement. Oh, y a djina ba dossier par là-bas. Mais bon, t'as la sikoye. Bambongo isa wapi. To banana ya 104 000 wana. Ya ba bis. Bon, t'on sa 104 000 dollars. Mbala moko mbango kuna. Et puis, to lande ya sikoye. Bon, na evite. Sikoye, 200 000 dollars. Bande wako sa ba trikona kinchasa 200 000. Na bi koti. Ndenge to yoki wana eksi wana. Don 200 000 dollars. Bo imprimer ba bikoti ba triko ba nini biloko anyoso ekute bino 200,000 banane on basa bazoba na bako ba kongole basa bazoba te bo arrete makambo oyo eza kitoko te nde tuzul ba kongole je ba komi na kanda kote ba biche mu peso wa monta munene mena ba dévoiler ke za bonte so le bina 120,000 dollars na ba biche. Bah, tu vas quoi bouler en peinant un nez. Mais si on y a le but 200 000 dollars, bah, tricot, un chapeau, collier, biloko, tout ça, 200 000 dollars. Eh, oui, mais la somme, on n'a pas tout, pas tout, puis d'un coup, non, 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 mais c'est une, et ça, somme, on s'en a grand en outil. Bon, justifier, yango. Maintenant, bah, facture ou un appel. On m'a commandé les alaka. Bah, ils sont achetés par ces années de si à l'ingéti. Bah, ils achètent des photos, bah, salaki, on va multiplier qui, bah, 100 fois 10. C'est que devant ma juge, ne va vendre yo kolobani. Alors, ma kamoué kena tribunal ya gombe, donazo mona directement, zela pene à ma kale za direct. Bah, tout yo prison. Yango makanga tuluba chaque mission. Gouvernement bo sale fort justice et koma kitoko. Bo bongisa. Ezo kene ndenge pena ba kongole ba lingiti. Ba kongole ba osepela tendenge musa justice e sala. Ah to lobela ba do peuple azana kanda. Soki ba conseil présent bo la démission, ba to bazo la démission, place no so bozali, na ba ta justice, bo meka ko informer ke en tout cas, Moussala justice va au sala. Et ça m'a la mouté. Donc, ça m'a le conde a convoqué ministre de justice. Bambi a quoi arranger ma kamboukouille. Parce que tout le cana scénario yaba konga. Si koto komi na toni mwaba. Si ba konga zala ki vraiment prison à moulaï. J'en suis sûr, bango pe ba limba banga kuyiba. Ma kamoto ulo wa bandeko, mboka il faut échanger. Tout ça a besoin de justice, ça peut échanger. Mboka, ma kambo eza soni mingi. Sona otala batu, oki osal sa babi koti ba triko ba nino, zo bamba ba graba monta fwa 10. Bon, bandeko nanga eza pasi pe mawa. To tiki pona bino, to komo kende na 3e point. Alors, bande konangato komi na 3e point na biso. Tête à tête le président de la République et Kagame. Bande ko bakuta na kala. Ikolebele. Na Jordanie oh, bazo benga ngo au niveau en Jordanie. Ba invité Fachi et puis ba invité ba président ba pays voisins. Et puis, bah, moto à Mozambique pour y pas en Makambouya. Où est-ce que le kepan a besoin d'ADF? Mozambique, pe na Jordanie. Bande ko Jordanie, bazana vraiment ba pire na ba ouest. Baza pe na boui, na ba européen. Ndeo mozo mona king a Jordanie.
bah on peut na copier les caca vrais na européens, na ba américains tout ça. Alors, invité du roi Abdullah II, Félix Tshisekedi participe à une rencontre de haut niveau en Jordanie. Sauvage de haut niveau, ça dit Makambu Moko Ezawana. Tata na Rwanda paye, aïe. Mozambique paye, baye. Bandeko, peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Bato Kagame babunda kana Mozambique. Atinda armée na ekuna. Allo. Biso a voisin, mbunda mboke zo pe la moto. Voisin kuna zo prospere na ye. Vous allez connaître le discours à Fadji. Bayaya, ba mona na kale susuti. Situation pene kwa mbulalo. Ndeba okuta na tete a tete. Na ebite soko ya zono bekota lito ya fachi ubie koleka na ngabu. Po trop c'est trop. Selon la présidente de la République, cette ville balnéaire de la Jordanie abrite cette rencontre de ce mercredi jusqu'au 24 mars 2022 Tilobi. Il y sera question de discuter avec les différentes autorités africaines sur échange bilatéral. À quoi sera un centre d'échanges bilatéraux entre différents leaders africains qui devra en principe tabler sur l'économie, le commerce, la sécurité dans l'un de ses volets consacrés à la lutte contre le terrorisme international qui n'épargne plus le continent africain, a expliqué la présidence de la République. Makambweba a défait et sa terrorisme par la bisou. Et je suis en Mozambique. Et puis, na réunion wana, bazalaki na premier ministre tanzanien. Makamweza minene. Soto wo comprendre. La situation, talaka kabisa wa utko agressé, bisou li suna M23. M23, ezali ba voisin ba vanda kakuna. Ba katye pa na biso, ba ye pa na biso, ko sala biso, oyo bango ba salaka. Entre ta biso ndako zo pe la moto, bango kuna ba zo prospere na Rwanda. Alo ba kuta na kala, to otala nanu image a rencontre ba omi bali, e ko zala ndenge, nini. Bande ko fachia kompe na dure patata oyo. Adjoa ke bon fascinance, me amouni, O soko landiye, mboka e de sekute kufi. Fatia bende nzoto. Mbala moko atinde liye misil. Malubana, oe le kaka, jura konferansa ba gouverneur. Dobe expression tu apesa keza pona ba vwasa. Alo, bakuta na kala. Bako kuta na Jordani. Me avant de progresser, to yo kanano extrait oyu ya rencontre, bon, to continue mission na biso. Bonjour à tous. Tout d'abord, sachez que le président Félix Tshisekedi participe à partir de ce mercredi, en début d'après-midi, à Aqaba, une des stations balnéaires de la Jordanie, à des échanges bilatéraux avec quelques chefs d'État africains et chefs de gouvernement. C'est en l'occurrence Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi du Mozambique, ainsi que le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa, organisé pour 2 jours par le roi Abdullah II de Jordanie. Les discussions vont porter, à en croire la presse présidentielle, sur l'économie, le commerce et la sécurité dans l'un de ses volets consacrés à la lutte contre le terrorisme international. Le chef de l'État congolais arrive à Aqaba après sa participation à la journée consacrée à la RDC dans le cadre de l'Expo Dubaï 2020. Alors, bande koranga tolandi bisonyoso. Hormis la présence de Félix Tshisekedi dans cette réunion, d'autres leaders africains sont également des invités, des marques du souverain jordanien, entre autres Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi du Mozambique, ainsi que le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa. Pourquoi? Ben, Bengisi Kagame. Mozambique, tu dois comprendre. Pourquoi Babengi Bango Baya
kuna soko zotala ya likamu moko eza wana fo basolola bien parce que trop c'est trop situation biso za nango Mozambique pe bazana nango soko tali relation na biso menana Rwanda eza lisusu ndenge za lakiti tozala so banakala na ba problem me facile ra ye akoma ki bien bazala ka bien basume penza ba tibene komi aleka na ndimite facha yoka oya koloba yoka on lisusu non parce que trop c'est tout allo situation na ndenge komi bandeko na ngai ezomona clairement que ma cambo à terrorisme, où est-ce que je suis par la Jordanien, je suis très bien. Bango, Penza, je vive au jour le jour. Je suis à Monaco, où est-ce que je suis? Je suis à Israël, je suis à Monaco, entre Israël et Palestine. Donc, je suis à Monaco, tout ce qui se passe. Alors, situation maintenant, je suis à Monaco. Ezo mwana clairement que likamoko ezawana. Oyo fatina Kagame. Kagame falo ba bien. Baso la bien. Roi alobi ke makambo ya terrorisme na Afrique ezo koma problème munene. Bande kubotana ba Mali. Partout. Me biso po ezebele. Mususu za soutenir na ba voisins. Ezo mwana. Et puis, boye, facha sa yebisa yepe ba prevo ya mona. Mais, kuna ba oso la mingi, ndenge selon ba komi, ezalika apo na terrorisme, ou ezo leka, na, pour le moment. Alors, na ndenge terrorisme ouyu, ezo nying sa Afrique pour le moment, so ki ba voisin pe ba osa yelo ba complot, esa mabi. Toza na problème to oubou na nga ba ADF. Bongo lisusu makamba M23 lisusu. Tamba yeko verifiye M23 eza bavwase. Fatia zana kanda. Alo. Toto nga siko na dosye oyu ba bengisa kibango. Bandeko ba grupu islamiki buzo mona. Bazana bezwe bazana peyi na bango. Ba mekina siri esimbite ba amerike ba bengani bango. Siko bazo luka. Ba moni place moni ni na EDC na Mozambique. Bazo luka partout na Mali kuna pendenge moko. Bozo mwana bazo bundisa fena mokili batu. Me loko sa la passe pa na biso ba tikela ki bango tan. Gouvernement na biso o ba sala ki 20 ans pouvoir ba tikela ki ba ADF tan ebele. J'en suis sur des bazar en Jordanie wana King Abdallah Koyeb Sabina Bango nenge batuana bazali oyo bazoli nga basala na EDC nana Mozambique ban basala siège na bango pays na bango ni piso de mawatu tozo bunda kana bango te tozo bunda na ba groupe armé loko Naba kodiko. Oyo baksa su naba voise ba oti ba invento. Sanko konte ba grupa musite ba FDL, ba tebele ba zanazamu. Toso kende wapi. Mboka na biso avec ba grupa armé bele bele bo. J'en suis sûr. Nama solo ba kei. Bako solo la si terrorisme. Fatia ko jamwa aide atana Jordani pe. Toza na problème ba avion de chasse ezati. Toza na makamu ya ba embargo. J'en suis sûr, Fatia Kolobana. Ye asolana ba tuna ye. Ete makamu ya embargo ba longola yango. Bato nyonso oyo tokuti mboke kufa. Bango ne moto ba makamu ane banaka lena bango. Soko fatia zana beja somba bibundeli abongsa mboka. Bandiko objektif a renyona tala fatia lungwe mbala moko Dubai. Eza lilo na lobi deju.
bako soasi terrorisme o ezapena li kamunene na o niveau et puis ba osola pe makaba commerce na maka mais so talibe le kimunene za security na terrorisme international o lelo Afrique za sikui o ke na Mali le même problème zomona ba français ba ke kuna ba kokipe bangote. Donc, baza bato yo, baza na mbongo na bango, bazo sala pena, makamu na bango. Alors, bande konanga situation oyo, ya biso na ba voisin, eza ba situation moko, esila leona lobite, po ekota pena moto ba kongole, ete ba voisin ba sala biso mabemi. Bango na fachi mikolo baza okuta, ate baka okuta na kawa kune pa kengi, ou à Jordan. J'en suis si. Bakolo va faire ma kambou. Ou est-ce que na ou est-ce que salama n'est pas un 23 ba kambou. Alors, bande konangai, chef de l'État, azo lu kambou ki kota na kimia. Botala. A permité mbala moko a ke iwapi na Jordan. Tout ceci nini. Alingi na est na biso kimia ekota. Badongolo miso nyonso batika mboka na biso kimia. Alors, bandeko nangai, c'est à ce point to komo clôturer mission na biso. Bo abonner massivement, bo partager. Au revoir, à la prochaine.